Moi, je crois que ces deux jeunes, ils ont leur place dans cette équipe. Ça va dépendre de comment les coachs vont les utiliser. Souvent, l'équipe nationale peut servir aussi des points focaux pour que les joueurs puissent se relancer et d'être plus en confiance, que ce soit en sélection ou encore en club. Mais si les joueurs sont un peu en difficulté en club et s'il est rejeté avec son pays, son équipe nationale, je pense que mentalement, si les joueurs n'est pas fort, difficilement il va revenir. Raison pour laquelle moi, je suis pour leur sélection. Et je suis sûr que ces deux jeunes, comme le coach a dit, ils peuvent dribbler même dans une cabine télé, c'est-à-dire ils peuvent dribbler dans un petit périmètre. Alors ce genre de joueurs, je pense qu'il est bon de les avoir avec toi que le contraire. Par exemple, quand on les laisse, et si au fil du temps le match devient plus complet et que tu as besoin des profils de ces gens, où est-ce que tu vas trouver? Impossible. Des fois, c'est des talents innés qui sont rares dans le football, pas au Mali seulement, mais dans le monde entier. Si tu les as avec toi, je pense mieux vaut les avoir dans les groupes que les écarter en disant qu'ils ne sont pas en forme, alors qu'ils peuvent faire gagner l'équipe même en 10 minutes. Pour moi, c'est une poule difficile et peut-être les gens vont penser que c'est pas c'est facile, mais pour moi, c'est le contraire, c'est difficile. Dans l'histoire, le Mali a beaucoup de mal à gagner contre le Congo, Brazzaville par exemple. Et on va jouer deux fois contre cette équipe. Deuxième chose, la Gambie. Tu vois, la fois passée, le Mali a joué contre la Gambie dans la poule de la CAN 2021. On a eu du mal à battre cette équipe. Ils ont même égalisé notre but vers la fin. Score final, un but partout. Le dernier match, ça remonte de quelques mois seulement. Et ça veut dire qu'on doit faire énormément attention. Même si le Soudan du Sud, pour moi, c'est le maillon faible de la poule. Ben, et si toutes les équipes gagnent le Soudan du Sud, maintenant, la différence va se créer entre les confrontations. Mali, Congo, Congo, Mali, Mali, Gambie, Gambie, Mali, Mali, Gambie. Voilà. Alors des choses comme ça. Donc, il va falloir bien négocier d'abord, à mon avis, les matchs à domicile contre toutes ces équipes. Pas seulement le Congo, pas seulement la Gambie, mais il faudrait d'abord gagner tous les matchs et aller chercher des victoires à l'extérieur contre les mêmes adversaires. Si on parvient vraiment à bien gérer ça, je pense qu'on peut s'en sortir. Mais rien n'est calé d'avance. Il va falloir vraiment travailler très très dur vraiment pour décrocher cette qualification. J'aime pas trop les pronostics, mais bon, je pense que au moins le Mali peut gagner le Congo ici par 2-0. Maintenant, le Soudan du Sud à l'extérieur, pour moi, c'est au moins 2-0 aussi.